Hey, hey, hey. Yali jadini yakita, c'était là à Berjalama. Oh. Tida berdiri di sana. Ce bois de tapis que balankini adala. Oh oh. Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de From Dust. Vous savez, le petit village primitif, nous sommes un dieu et on peut gérer plus ou moins les éléments, la terre, le sable, le feu et l'eau pour améliorer le quotidien de nos petits bonhommes et leur faire gagner des villages pour repeupler en fait un monde et passer au prochain et tout ça. Alors, nous sommes seuls ici au milieu d'un vaste vide. Tout cela devra partir du souffle et du géant qui se réveille. Encore un volcan, j'aime pas les volcans. Enfin si, j'adore ça, je trouve ça magnifique, mais c'est flippant, et dans le jeu, c'est chiant. Alors, aidez la tribu à s'installer en utilisant ce que la mer vous offre à pied sur l'espace. Ouh, oh, ah, d'accord. Qu'est-ce que la mer a à m'offrir? J'ai un village ici. Bon, après, on est un peu loin dans la map. Bon, et ben, qu'est-ce que la mer m'offre? Elle m'offre de la lave. Elle m'offre de la lave. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une pétard ici. Voilà. Le pétard. On va le mettre ailleurs. On va le mettre là. Elle m'offre du sable. Offre du sable pour aller ici. Parce que bon, pour l'instant, je vois que ça, choper le sable et la lave du volcan pour qu'on puisse établir un premier village ici. Mais je veux pas d'eau. Oh, il pète. J'ai pas envie d'aller là-bas. Hein. Ah bah non, ils peuvent pas. Hé hé, j'ai pas encore comblé les trous. Voilà. C'est pas encore bon. Du sable, du sable, du sable. Du sable. Est-ce que vous pouvez y aller? Je suis sûre que le truc à la fin, sans qu'on touche à quoi que ce soit, le volcan il aura fait, il aura récupéré tout le tour. C'est pas encore assez de place? Non. Bon, ça va péter. Ça en est un autre ou quoi? C'est toujours le même. Ok. On a fait péter la petite bombasse. On va remettre un peu de sable ici. Parce que vu la quantité de sable qu'il nous fait, le gars, il y a moyen que... Oh, mais calme-toi, mon gars. Aux toilettes, hein, ça ira mieux. Hein. La vache. C'est bon? Toujours pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas qui va pas, les enfants? Le souffle, il est ridicule, je trouve. Et quoi? On va prendre le sable qui est là. De ce côté là parce qu'après j'ai peur que ça nous coule dans les dans nos villages et que ça nous... C'est bon ou pas? Y'a toujours pas, mais ils peuvent y aller là. Thank you.
Ouais, je vous jure. Hein. Je sais pas, il te faut quoi comme espace? Ah, j'ai vu! Je viens de voir! C'est effectivement, il manque encore. Il faut un diamètre spécial. Et en fait, je viens de voir le rouge. D'accord, 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 monsieur. Ah, puis alors, le souffle, il est pas fort. Ça commence, hein! Ok. Il y a même un truc tout dans, sous l'eau et tout, là. Ça y est! Youhou! Bon, alors, on va commencer à prendre tout ce qu'il y a ici pour ici. Ça va péter! Mais c'est plus celui-là, il y en a un autre! Vous êtes sérieux? Si, c'est celui-là. Ah! Bah oui, on a un deuxième. Oh la vache. Mais lui, il se fait éteindre direct. Hein. Lui, il a pas le temps de niaiser. Ouais, on a créé je sais pas quoi. Les tsunamis cycliques vont arriver. Vous pouvez reconnaître le rythme en observant les icônes affichées. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ils hurlent? Putain, mais on n'a pas la connaissance. Faut que j'amplifie le souffle, ça c'est sûr. Je suis méga concentrée en fait là. Parce que je pense qu'il faut connaître. On va se faire submerger comme il faut dans pas très très longtemps. Merde! C'est bon. C'est pas possible. Je vais mettre du sable du coup là parce que sinon ça va jamais. Ah, ça y est, les tsunamis arrivent. Il faut absolument qu'on aille ici. Non, il n'y a pas assez de place. Je veux pas perdre, s'il vous plaît, je ne veux pas. C'est bon? C'est quoi ton problème? Ouais, il y en a pas encore assez sur le côté là-bas. Et après, ça va cramer.
Après, je vais cramer tout le village aussi, vous faites chier. Quoi? C'est ça qu'il te fallait, parce qu'il y avait un peu d'eau. T'es sérieux? Les bâtards. Voilà, ça on l'a remonté. Ça on l'a remonté. Mais je vais prendre du sable pour relier parce que vous savez bien que sinon... Du sable, il y en a là. Ça fait un beau delta. Et contre les eaux, c'est ici. Hein. C'est bon, je l'ai sorti de terre. Je vais prendre de la lave aussi pour faire une île. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est pas du tout patiente. Quoi? T'es sérieux? Fais gaffe, la lave va venir te prendre le cul là. Bon, il me faut du sable. Mais par contre, c'est tellement chiant de se déplacer, c'est pas intuitif un peu. Disons que si on est un peu trop près de l'écran. C'est bon? Ah, mais c'est contre le feu! C'est pas contre la lave, c'est contre le feu. C'est quand même la même chose. C'est bon. Ici, on va continuer à prendre de la lave. Et merde. Je vais me faire dévaster. J'ai pas été assez rapide, sachant que j'ai fait le truc. Oh là là, la vache. Je vais perdre. Parce que j'ai pas été là avant. Il crame tout, c'est tout. Voilà. Alors je peux me défendre contre le feu, mais pas contre l'eau. Ne vous inquiétez pas pour l'eau, hein. Voilà, voilà. Regardez la déchéance de mon peuple. Voilà! On va recommencer! Oh putain, l'angoisse. Oh, je vous jure. Bon, je sais au moins quoi faire maintenant. On est reparti! Donc, on va refaire ce qu'on a fait. On va déjà faire le cataclysme. Hein. Je vous jure. Ça, on est bien. Je vais quand même m'occuper de faire un village. De toute façon, on avait le temps. Parce que j'en ai quand même fait deux des villages. Pour établir un village là. Et puis après, je vais relier ici. Je veux pas d'eau. Je veux du sable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable. Pour établir ici.
là, de sable. Ce truc c'est que j'ai été chercher le truc du feu avant et pas le truc d'eau. Donc c'est vrai que le tsunami, ils avaient pas le pouvoir pour se battre contre le tsunami qui est arrivé. Et c'est pas tout de suite de toute façon, donc ils vont nous le signaler quand ça va arriver. Et pour l'instant on n'a pas encore la menace. Donc je peux tranquillement commencer à faire mon petit village ici. Ah voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Il n'y a pas de raison hein, de... Hop, ça, le petit passage. Hop. Ça va répéter. Bah ouais, mais du coup l'écran bouge et moi du coup je sais pas où je vais. Est-ce que ça, ça vous va? On va récupérer un peu de lave, on va la mettre là. Hop. Beaucoup de sable ici, beaucoup de sable. Est-ce que vous avez besoin encore de la place? Est-ce que c'est accessible? Non, pas encore. Ils sont là, ils se disent ouais, bah tranquille quoi. Mais c'est de l'eau ça. Je vous jure, ils me donnent de l'eau alors que c'est pas de l'eau que je voulais. Est-ce que c'est bon? Non. Oh. Et là, c'est bon. Pour l'instant là. On va faire l'accent sur. La petite passerelle. Ah, ils sont déjà coincés. Ça va péter! J'arrive! Passer dans le sable. Là. Est-ce qu'on est bien? Oui! Ah, ça fait plaisir. Je m'attelle donc du coup tout de suite. On va un peu travailler sur ce village-là. Attention tsunami, vous voyez, c'est seulement quand on établit le premier village que le premier tsunami est déclaré, va se déclarer. C'est bon. Oh, j'ai eu peur, c'est quoi ce bordel? Oh, quand même. J'ai envie de fil souffle, c'est parfait, je vais le faire 3. Et hop, ça recrée un petit peu de lave. C'est pas là que je voulais mettre! Tu m'énerves, écran. Je suis en train de créer
trois petites îles. S'il leur faut assez de place, hein. Au moins, on se fera pas laminer la gueule par les tsunamis au premier round, parce que bon. Et on va juste faire rejoindre ça au truc là. Tant qu'il n'y a pas encore les arbres, on est bien. Et surtout pas le volcan relié à ça parce que sinon, pareil, ça va cramer. C'est bon? C'est bon! Ah! Ça, c'est cool! Maintenant, on va relier ici. On a encore 4 minutes avant le tsunami, donc on est bien. Hein. Finalement, faire une partie ratée avant, ça permet de savoir où on en est et ce qu'on doit faire. Quoi. Est-ce que t'as de la place, toi, maintenant? Ouais. Mais ils vont pouvoir passer? Ah, parce que... Ah ouais, il y a un trou, hein. Ils vont pouvoir. Et comme ils ont le pouvoir contre l'eau, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir créer un petit truc. On va pouvoir récupérer aussi le truc contre le feu. Et on va s'occuper du dernier village qu'il faudra construire. Doucement mais sûrement. Voilà. Je pense que cette mission, grâce à mon échec cuisant dès le départ, sera peut-être un chouï plus simple, je pense. Après, je sais même pas où est le passage. J'ai même pas vu où était le passage. Là par contre il y a un truc. Je crois que c'est juste un compte. Ah non, il y a encore un village là. Bah c'est eux, je suis con, c'est celui que je suis en train de faire. Oh là là. Mais le passage. Je sais pas où il est le passage. Je m'en indiquerai plus tard. Enfin, je m'en indiquerai. Je m'en inquiéterai plus tard. Je m'en indiquerai. Alors, petit village. Là, on est bien. Il leur faudra du sable parce que eux, ils aiment le sable. Je préfère le rendre très accueillant dès le départ. Bon, en même temps, il va être couvert d'eau, je pense. Bon, je vais laisser passer le tsunami avant de fignoler parce que peut-être qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Mais je peux continuer à... provoquer le... à le faire relier, quoi, je veux dire. La lave, c'est quand même méga cool. On va pas se mentir. Je me demande si je vais le faire aller... Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça pète avec... Non. Ok. Ça doit être tellement long de me voir regarder faire. Parce que moi je suis à fond dans mon truc donc je vois pas le temps passer, mais. Pour vous ça doit être chiant. Ah, ah mais du coup je peux leur faire faire aller sur le. Contre le feu là. Ouais. Donc c'est bon. Ils vont y aller. Ils ont tous les deux le pouvoir d'eau donc. Ça sera très bien. Non, ça commence, ils veulent déjà pas. Quoi? À coup! Ah oui, j'arrive. Je voulais pas relier le volcan, hein, mais bon. Je
juste vraiment le temps qu'ils prennent et après je coupe. Ça y est, le tsunami arrive. Déjà le village que je voulais faire, il est immergé. Normalement ils vont chanter hein. Après je suis prête à figer l'eau s'il faut hein, mais ça sert pas à grand chose de figer l'eau. C'est bon. Ah putain, mais j'aime tellement! Ah la vache! C'est tellement classe! Tsunami, c'est les doigts dans le nez, les enfants. Je vais refaire un pont un peu plus solide en lave pour aller du coup pour aller par là. Je sais toujours pas où est notre ami le portail. Vous avez encore de l'eau qui vous menace? Non, vous êtes de la cool. Putain, mais le portail, quoi. Je sais pas où il est. On le verra plus tard. J'aurai relié le dernier village. Ça, je peux en pifier. Je vais en pifier le souffle, vous voyez. Une grosse boule de magma. Voilà. Que j'ai lâché en un coup. N'empêche. Je vais juste vous prendre un tout petit peu de sable, les enfants. Est-ce qu'on peut établir le village? Pas encore. Dans 3 minutes, nous avons un nouveau tsunami, les amis. Pas encore. En tout cas, pour l'instant, je vais le remettre. Après, ça sert à rien. Le sable, il va être balayé par le tsunami, donc... C'est de l'eau. Je pense que c'est ici qu'il manque un peu. Je vais reprendre un peu de lave. Je vais amplifier le souffle. Surtout que là, laisse tomber. Il y a de la lave en fusion dans tous les sens. Je vais mettre là. Ça me semble pas mal. Mais pas de l'eau! Ouais! J'espère qu'il y aura assez de temps. Ah non, ils vont être bloqués. Ici, ils vont être bloqués. Mais arrête avec l'eau, merde! C'est bon.
allez-y gaiement et surtout emmenez votre savoir avec vous, s'il vous plaît. Ce serait archi, archi cool. De toute façon, on a le temps dans 1 minute 30. Ah, ils vont être bloqués. Non, c'est bon. Non, ça va, ils passent. Tout le monde passe. Ouais. Parce que le feu, effectivement, ça va toucher les villages après. Hein. Ouais, faut pas qu'il y ait de sable qui vienne jusque là, comme ça il n'y a pas le feu qui se déclare. C'est tout un... Voilà! Ça moue ça! Il serait pas là-bas le portail quand même. J'ai acquis le pouvoir de déverser... Ah, il est là le portail! Oh ben ça alors, je l'avais pas... Oh, le delta est tellement beau. Et d'où l'intérêt de figer l'eau aussi. Hein. On va déverser notre eau de l'autre côté. Comme ça, on va combler ici. Le village, il est protégé. Oh putain, il a pas encore levé. Oh ma zette, oh, il a pas encore le pouvoir. C'est bon, ils arrivent. Oh la vache, comment je l'ai fait arrêter juste avant. Oh, non mais voyez la menace. C'est vraiment... Là, ils touchent l'île quoi. Donc il faut que dans 38 secondes, 37... C'est bon, ils auront le pouvoir. Oh, putain mais... Waouh. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous avez le tsunami qui s'arrête là. Dans 22 secondes, c'est bon, il transmet le pouvoir. Ah oui, il transmet le feu. Allez, mais c'était l'eau qu'il fallait transmettre avant. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Yes. Je m'applaudis moi-même. Ah oui. Faudra juste créer... Merde! Je m'applaudis, mais... Sinon, je crois qu'ils ont le pouvoir contre les flammes, donc maintenant, on est bien aussi. Hein. On va pouvoir aller au passage. Oh, mais c'est un tsunami de PD! Sans offenser les homosexuels, ça n'a rien à voir, vous savez, c'est devenu une expression. Non, mais tout à l'heure, il était beaucoup plus fort, le tsunami. Là, ça fait une petite vague. Mais. Tu nous déçois. Hein. Je me suis retrouvée dans la. Dans la fumée, je savais plus où j'étais. Ok, alors. Maintenant, les enfants. On va traverser le petit désert et l'eau pour aller au passage. C'est complètement... Non, presque. C'est pas encore possible dans tous les sens. Mais vous savez, comme je suis très attentive au pouvoir et à mes petits indigènes pour qu'ils fassent leur life tranquillement, posément. Parce que là, effectivement, ça peut être dangereux dans le sens où s'il y a du palmier dans tous les sens, les villages vont être cramés sans arrêt, quoi. Mais là, on est bien. Ils ont tous le pouvoir. Là, j'ai enlevé le sable, donc les palmiers, ils touchent pas s'il y a besoin d'avoir une... Par contre, il est devenu immense, le volcan. Le volcan est immense.
je suis en train de me dire, ouais, on va faire une petite montagne. Pour protéger mes villages. Comme ça, ça va se déverser. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quoi comme problème? Comme ça, ça vous va? Bon ben voilà. On y est. Mais quoi? Je sais pas moi. Moi je suis prête hein. J'appuie sur espace. Je sais pas, il y en a qui sont coincés. Je suis prête, hein, les enfants. Ça se voit, non? Les mecs sont imperturbables, quoi. Je fais joujou avec le sable autour et eux sont... Ouais, on danse. Je sais pas, il y a un blême. Mais dépêchez-vous de vous pointer, après ça va cramer dans tous les sens. Ok, moi je suis prête, hein. Pourquoi je peux pas partir? Taillé! Oh punaise, j'ai cru que ça allait jamais arriver. Et bien voilà pour ce niveau, une fois de plus, accompli. Ah, bah franchement, finalement, le fait de se planter dès le départ, on voit ce qu'on doit faire en premier. Et là, effectivement, faire le domaine du feu avant le domaine de l'eau, ça servait à rien. Puisque le tsunami a tout dévasté, devant moi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez bien rigolé. Hein. Mais quand même, je m'en suis sortie au deuxième coup, nickel. J'apprends de mes erreurs, comme on dit. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à laisser un message et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de From Dust ou d'autres choses. Allez, salut!